Bonsoir. Al-Mutanabbi est incontestablement le poète le plus admiré et le plus discuté de toute l'histoire poétique arabe. Pendant plus de 10 siècles, du Maroc jusqu'aux Indes, son œuvre a été apprise, commentée, discutée, imitée, avec une ferveur qui tient du prodige. Pourtant, cette consécration ne va pas de soi. De son vivant, le poète a été violemment pris à partie. Il reçoit même un surnom équivoque. Al-Mutanabbi, en arabe, veut dire celui qui se prétend prophète. Après sa mort, sa production est aussi durement critiquée. Mais ses vers vont passer à la postérité et seront considérés pendant des siècles comme les parfaits modèles qu'il faut imiter et célébrer sans relâche. La controverse va renaître avec l'orientalisme, c'est-à-dire avec les études que l'Occident va mener sur les langues et les civilisations orientales. Les universitaires occidentaux qui ont étudié l'œuvre reconnaissent l'habileté et le grand talent du poète. Mais beaucoup d'entre eux jugent l'homme sévèrement et ne trouvent aucune pensée originale dans ses écrits. Ainsi, Régis Blachère, grand esprit de la Sorbonne, et auteur d'une étude qui s'est imposée comme l'étude de référence sur le poète, considère que les vers d'Al-Mutanabbi sont, je cite, « dépourvus d'originalité de pensée, qu'ils font preuve à l'occasion d'un vide d'idées prodigieux ». Il écrit « Si la poésie d'Al-Mutanabbi est vénérée par les Arabes comme un miracle, ce miracle nous laisse absolument froid, parce qu'il n'entre plus dans nos habitudes d'esprit d'attacher du prix à un travail artistique jailli d'une source d'inspiration aussi faible. » Face à un tel réquisitoire, les intellectuels arabes ont essayé de défendre leur icône et faire valoir ses mérites. Mais dans l'ensemble, leurs plaidoyers sont peu convaincants. Aussi, il n'existe aujourd'hui aucune étude critique capable de donner à l'œuvre du plus grand poète arabe un contenu de sens qui soit à la hauteur de sa consécration et de l'enthousiasme qu'elle suscite. Dans l'ouvrage que j'ai consacré au poète, j'ai montré que la réalité de l'œuvre et les enjeux qui s'y trouvent impliqués ne sont pas là où les situe la critique contemporaine. Al-Mutanabbi n'est pas un panégyriste, c'est-à-dire, comme on le présente aujourd'hui, c'est-à-dire un poète courtisan qui serait allé de cours en cours pour faire l'éloge des puissants et recueillir honneur et richesse. Non, Al-Mutanabbi est avant tout un poète penseur et un poète guerrier qui a consacré son œuvre et sa vie à instruire un idéal qu'il a voulu incarner lui-même, en faisant de la poésie une arme. Et on verra ce que cela veut dire. Al-Mutanabbi s'est battu en faveur d'un type d'être humain en particulier. Il s'est battu pour faire émerger des hommes et des femmes courageux et féconds, qui puissent élever la vie sans contredire les lois naturelles qui régissent le monde. Pour voir émerger cela, il faut relire les poèmes d'Al-Mutanabbi dans l'ordre de leur composition chronologique et les mettre en rapport avec sa vie, de manière à considérer l'ensemble comme une épopée totale. Cette épopée, comme vous voyez sur la diapositive, peut être divisée en 4 parties qui retracent les 4 grands moments de la vie d'Al-Mutanabbi. Dans la première partie de sa vie, Al-Mutanabbi va passer 20 ans à sillonner l'Irak et la Syrie pour enseigner sa doctrine par la parole et par l'exemple. Puis il va passer 9 ans dans le nord de la Syrie aux côtés du prince Hamdanid Saif al-Dawla, pour faire la guerre contre l'Empire byzantin. Puis il ira en Égypte, défier le régent Kafour. Enfin, on le verra se rendre jusqu'à Shiraz, auprès des puissants bouïdes. Dans l'heure qui nous est impartie, je vous propose de parcourir rapidement cette épopée. J'insisterai longuement sur la première partie, et je serai obligé d'aller plus rapidement sur le reste. Abul Tayyib Ahmed ben al-Hussein al-Jurfi. C'est son vrai nom. Il naît en 915, à 170 km au sud de Bagdad, à Koufa, qui est l'actuel Najaf. Fils unique, il n'a sans doute pas connu sa mère. Il est éduqué par sa grand-mère et fréquente l'une des écoles réputées de la ville. Il est doté d'une mémoire prodigieuse et se montre avide de savoir. D'ailleurs, il commence à composer très jeune. À cette époque, le califat abbasside, qui, rappelons-le, gouverne l'islam, enfin le monde musulman depuis 750, est affaibli et morcelé en émirats antagonistes. Le Proche-Orient est lui-même divisé en 3 grands ensembles. L'Égypte est aux mains d'une dynastie turque, les Irchidides.
Le nord de la Syrie est régi par les Arabes Hamdanides, qui combattent notamment l'Empire byzantin. La Perse et une grande partie de l'Irak sont contrôlés par les Iraniens Bouyides. Mais c'est du sud que vient la menace. L'Empire est en effet secoué par une insurrection violente menée par les Karmates. Les Karmates sont organisés en secte. Ils prônent la révolution. Ils jurent de mettre fin au califat. Ils promettent d'abolir la loi religieuse, de procéder à une redistribution des terres et d'instituer la communauté des biens. Mais s'ils veulent abroger de façon violente la religion, c'est tout de même dans l'attente millénariste du retour glorieux de l'imam en prélude à la fin des temps. Quoi qu'il en soit, leur propagande trouve un écho favorable parmi les opprimés de l'Empire, parmi les populations meurtries par les disettes et les épidémies, mais aussi parmi certaines tribus bédouines qui viennent grossir leurs soldatesques. Les Karmates parviennent à fonder un État au Bahreïn, à partir duquel ils lancent une série d'expéditions militaires sanglantes. Ils mettront à sac la Mecque et Médine en 930 et parviendront jusqu'aux portes de Bagdad. Mais avant cela, ils attaquent Koufa à deux reprises, en 924 et 927. Le jeune Moutanabi et son père doivent fuir. Ils se réfugient à Bagdad, puis ils mettent le cap sur la Syrie. Le père du poète va décéder rapidement. Et pour le jeune orphelin, commence alors une interminable errance. Al-Mutanabbi cherche alors à mettre à profit son talent et compose des éloges en l'honneur de notables. Mais comme ses compositions n'éveillent pas l'attention qu'il espère, il doit sans cesse repartir et chercher des oreilles plus sensibles à son talent. Dès cette époque, les traits de sa poésie s'affirment nettement. Les éloges qu'il adresse aux notables sont de facture hyperbolique. Ils sont servis par des vers nerveux et parfaitement équilibrés. Et ils mettent inlassablement en scène la même chose. Al-Mutanabbi chante la louange d'un homme vigoureux et magnanime à la fois, d'un homme doué d'un sens exaspéré de l'honneur et toujours insatisfait, d'un homme indéfectiblement attaché à la liberté et irréductible face à l'adversité. En contrepoint des éloges qu'il adresse à tel ou tel homme de pouvoir de la Syrie ou d'Irak, le poète se vante dans des pièces de jactance, c'est-à-dire dans des poèmes où il fait son propre éloge, de pouvoir incarner lui-même cet idéal. Mais le jeune homme ne s'en tient pas à la parole. Il veut agir, il veut s'en prendre à la bassesse des hommes. Il veut pourfendre leur tyrannie. Dans l'extrait suivant, il jure de ne plus attendre, de ne plus se tenir sur le côté, alors que la guerre fait rage tout autour de lui. Il promet de se jeter dans la mêlée et de poursuivre l'iniquité où qu'elle se trouve. La lame s'alliera à moi comme à son fil. Tous apprendront qui est l'âme la plus virile. J'ai patienté, rongé mon frein jusqu'à le rompre. À mon tour d'assaillir l'assaillant à tout rompre. Moi, laisser les chevaux, fuir leur face exténuée, quand la guerre se tient d'aplomb sur ses deux pieds, alors que sous les coups cuisants parmi les cris, il tourne comme pris d'une trouble folie, quand sous les traits mortels leur bouche renfrognée se tord comme au contact d'un mort empoisonné, moi, laissez-la se faire qui ne cesse d'attendre que mon bras lui offre un état prompt à se vendre. Il faut bien comprendre ici qu'Al-Mutanabbi reprend à son compte les revendications des Karmates. Cet état prompt à se vendre qu'il veut s'offrir à coups de sabre et le califat corrompu de Bagdad qui depuis des années déjà est sous la coupe de mercenaires. C'est pour ça qu'il dit que cet état est prompt à se vendre. Puis il poursuit « Demain, la lame à deux tranchants fera obstacle au roitelet du cru et d'ailleurs qui renacle. S'il plie, elle en poursuivra d'autres. S'il résiste, ils seront les premiers à enrichir sa liste. » À l'âge où d'autres n'ont pas encore quitté la fleur de l'innocence, Al-Mutanabbi est sur le pied de guerre. Avec quelques compagnons, il se lance dans l'insurrection. Vite arrêté, il est jeté en prison à Homs. C'est alors qu'il reçoit le surnom d'Al-Mutanabbi, probablement en raison de ses discours exaltés. Deux ans plus tard, lorsqu'il sort de prison, il a 21 ans. De nouveau, il se met en quête d'un protecteur ou d'un mécène qui reconnaisse sa valeur. Mais sa recherche se révèle vaine. Les puissants qu'il veut gagner à sa cause se montrent sans envergure, ni grand jugement littéraire. Alors Al-Mutanabbi doit repartir.
reprendre son périple à travers le désert du monde et faire face à l'infortune. Pendant plus de 15 ans, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, le poète va ainsi parcourir le Proche-Orient d'un point à l'autre, en quête de reconnaissance. Il va de Tripoli à Antioche, de Damas à Tibériade, de Latakia à la région de Manbej, sur la rive droite de l'Euphrate. Il visite tour à tour un juge, un chambellan d'émir, un chef de guerre, un agent des impôts, le gouverneur de Tibériade ou le jeune prince héritier du trône d'Égypte, sans trouver nulle part où se poser. C'est là que se pose une question. Comment expliquer qu'un poète aussi talentueux qu'Helmut Hanabi ait dû errer si longtemps dans la misère ? À quoi rattacher ce désir qui l'incitait toujours à prendre la route et qui le poussait sans cesse à se révolter ? Régis Blacher, et la critique contemporaine avec lui, explique les malheurs du poète en mettant en avant le manque de succès d'un courtisan ambitieux qui peine à être reconnu. Parce qu'il n'aurait pas trouvé moyen de plaire, parce qu'il aurait été orgueilleux et qu'il avait une ambition démesurée, eh bien Helmut Hanabi ne parvient pas à exercer le métier de panégyriste et se condamne à l'errance. Pourtant, peut-on raisonnablement penser qu'un poète de l'envergure de Hanabi n'ait pas été capable de composer des éloges à succès? Pourquoi est-il choisi, comme il le fait, de reprendre sans cesse les mêmes thématiques et les mêmes structures de composition? N'aurait-il pas été facile pour lui de varier les registres, de pasticher les manières à la mode et d'être un louangeur qui assure? C'est qu'en réalité, cette errance n'a rien à voir avec les déboires d'un courtisan. La critique contemporaine, qu'elle soit arabe ou orientaliste, ne comprend plus l'histoire d'Helmut Hanabi et ne sait pas lire les poèmes à leur juste valeur. C'est donc une toute autre histoire que la leur que je vais essayer de vous raconter maintenant. Hanabi ne se contente pas de composer des éloges. Par le biais de ses poèmes, il expose une certaine vision du monde et de l'homme. Or, à ses yeux, l'homme est communément médiocre. Il est lâche, avare, il fuit la difficulté. Il n'a à cœur que ses intérêts mesquins. Il s'accommode aussi de la soumission, se compromet dans toutes sortes de corruptions et se résigne à une vie sans éclat. Cette façon d'être déshonorante, qui est commune, qui est la nôtre, c'est la manière d'être que le poète attribue à l'esclave. À l'opposé, il y a la posture courageuse et généreuse de l'homme qui refuse l'humiliation et l'iniquité et qui lutte pour la grandeur au péril de sa vie, dans la perspective d'une existence pleine et glorieuse. Cette façon d'être, qui est exceptionnelle, et que chacun sera invité à embrasser, est la manière d'être supérieure que le poète attribue au maître ou au héros. Il faut donc bien retenir que pour Helmut Hanabi, il y a deux manières d'être de la volonté, c'est-à-dire deux modes d'exister, qui sont présents à des degrés divers en chaque personne. L'une, ordinaire, qui est celle de l'esclave, c'est-à-dire de l'homme lorsqu'il se montre avare, lâche et soumis. Et l'autre, excédentaire, qui est celle du héros, c'est-à-dire de l'homme lorsqu'il se fait généreux, courageux et affirmateur. Dans la première partie de son œuvre, et à mesure des poèmes qu'il compose pendant ses années d'errance, Helmut Hanabi va exposer ces deux lignes de conduite dans une réappropriation opportune des différentes parties de la Qasida. Alors permettez-moi de rappeler brièvement ce qu'est la Qasida. La Qasida est la forme noble de la poésie arabe, héritée de l'antiquité pré-islamique, longuement mûrie, puis formalisée au 8e et 9e siècle par les grammairiens et illustrée par les poètes de la même période. La Qasida doit comporter trois parties. Un prologue amoureux, le Nasib, dans lequel le poète pleure le départ de sa bien-aimée, qui a dû partir avec les siens, et qui le laisse pleurer devant le campement déserté où elle a séjourné. Puis vient une partie descriptive, le Rahil, dans laquelle le poète raconte la traversée du désert qu'il entreprend pour aller vers l'homme qu'il s'apprête à louer. Enfin, un panégyrique, un éloge, où le poète fait l'éloge enthousiaste et sans restriction de son bienfaiteur à qui il adresse le poème. La Qasida n'est pas un assemblage de trois parties disparates, mais une série de passages.
Ainsi, dans le prologue amoureux, le poète, replié sur ses souvenirs et sur sa douleur, demeure figé devant le campement déserté du clan de sa bien-aimée. Mais dans la seconde partie, il entreprend une traversée dangereuse, d'ordre initiatique, dont la destination n'est autre que le Mécène. Et la troisième partie constitue donc l'aboutissement de sa quête. Elle consiste essentiellement en une glorification des vertus du Mécène. Prestige de son ascendance, grâce physique, tempérance, jugement accompli, bravoure, générosité exemplaire. Al-Mutanabbi va donc se réapproprier cette forme poétique de façon particulière. Ainsi, dans la première partie de son œuvre, qui correspond à la phase de l'errance, on trouve 47 poèmes construits tous sur la même façon, sur le même modèle. Un nasib, donc un prologue, qui compte à peu près pour un tiers du poème, et un éloge, le madih, qui compte pour les deux autres tiers. Le rahil est abandonné, ou lorsqu'il existe, il est réduit à un ou deux vers de transition. S'il ne garde que deux parties, c'est parce qu'il va les utiliser pour présenter les deux manières d'être de la volonté, qui sont, rappelez-vous, celle de l'esclave et celle du maître héroïque. Dans le nasib, il va exposer le mode d'être de l'esclave en le figurant par l'attitude de l'amant qui pleure sa bien-aimée. Et dans le madir, il va exposer le mode supérieur, qui est celui du héros, en décrivant son mécène de façon héroïque. Ainsi, Al-Mutanabbi va développer deux environnements lyriques opposés et enchevêtrés. Regardons de plus près le premier. Il met en scène un amant désespéré, qui ne parvient pas à assouvir sa passion. Un homme qui se consume d'amour pour une femme indifférente, injuste, et qui finit par l'abandonner. Avant même son départ, la femme aimée dispensait ses faveurs avec parcimonie. Et parce qu'elle est craintive, elle fuyait tout engagement. Ainsi, le poète écrit en ce sens « Nul jour ne m'a vu jouir de tes rares faveurs sans que tu m'aies puni par 3 jours de froideur. » Mais le poète amant n'est pas en reste. Il a beau de se plaindre de la femme, de son avarice, il n'est pas moins lâche par la soumission dont il fait preuve, et mesquin dans sa manière d'attendre et d'espérer l'amour. L'amant du prologue reste soumis aux conventions sociales, et il est dominé par une relation qui cause sa ruine. C'est ce qu'il dit par exemple dans le passage suivant. Mes cheveux taupe blanchis, ma ruine sans espoir, cette maigreur, ces pleurs disent ma soumission. Car la relation d'amour qui se construit sur la retenue, sur la lâcheté, sur l'avarice du sentiment et sur la peur, ne peut offrir que le malheur. Ainsi, les cheveux blanchis, comme dans notre exemple, mais aussi l'anémie, la perte de raison, l'insomnie, les pleurs, tous les thèmes traditionnels de l'élégie arabe vont servir à décrire l'état de désolation infinie de l'amant. L'amant du prologue est un individu vieilli avant l'âge, marqué par la pesanteur de l'existence, résigné à la fatalité de l'échec et impuissant à jouir de la vie. Avec le départ de son aimé, son corps déjà amaigri se désagrège encore, à l'image du campement abandonné où avait séjourné sa belle. Ainsi, la relation amoureuse décrite dans le prologue découvre ce qu'elle est véritablement. C'est une guerre déguisée et une mise à mort de l'amant. Voilà ce qu'est la relation amoureuse, en fait, du nasib. Aussi, Al-Mutanabbi va décrire la femme aimée du prologue comme une Vénus guerrière qui immole l'amant. La femme, nous dit par exemple le poète, allume le feu de la guerre dans les cœurs et y laisse l'armée furieuse de son désir. Elle brandit l'épée de l'abandon et par son départ, plante dans le sein de l'amoureux comme une lance dans le cœur d'une armée ennemie. Dans l'extrait suivant, l'homme délaissé crie sous le coup fatal. Ta prunelle profonde
a creusé en mon cœur une blessure aussi profonde que sa sœur, et d'un coup, fracassé la côte aux mailles fines, contre quoi se brisaient les fauves javelines. Pour Al-Mutanabbi, le désir qui se retient, l'amour qui s'attarde, la force qui se réserve, ne permettent pas de contrer le malheur. Ils renforcent au contraire les relations mesquines, tyranniques et funestes. Il ne s'agit donc pas pour Al-Mutanabbi d'opposer l'amour à la guerre, de préférer la guerre à l'amour, comme une lecture simpliste l'a toujours prétendu. Il s'agit de commencer par condamner les attitudes de faiblesse, surtout lorsqu'elles se drapent d'innocence et de bonté. Voilà pourquoi c'est l'amour avare de l'amant et de son bien-aimé qui sert d'exemple à la figure de l'esclave et de métaphore au rapport tyrannique et à la guerre dissolvante. Inversement, ce sera le guerrier héroïque qui servira de paradigme à la noblesse et de modèle pour l'amour véritable. Regardons alors de plus près le second environnement lyrique, celui de l'éloge, du madih, dans lequel, je vous rappelle, le poète parle de la manière d'être de l'individu héroïque en faisant l'éloge du mécène à qui il offre le poème. Cet univers lyrique dresse le portrait énergique d'un homme ardent, tout entier porté par le mouvement et la puissance. Cet homme a deux qualités cardinales et inséparables, le courage et la générosité. Le héros est d'une générosité sans limite. Il le prouve par les dons qu'il ne cesse de faire. Ainsi nous dit le poète, le héros est avide de prodiguer. Il est à l'écoute de tous les hommes et distribue ses bienfaits avec outrance. L'abondance de ses dons et leur fertilité lui vaut, comme dans l'exemple suivant, d'être comparé à une mer ou à une nuée, à un nuage pluvieux. Face à son bel accueil, une joie très limpide lisse les fronts soucieux et défroisse leurs rides. Tant l'argent que les mains d'Ibn Abdallah déverse semble abreuver Byzance et le Yémen d'Avers. Ibn Abdallah était le cadi d'Antioche. Al-Mutanabbi lui fait là un éloge dithyrambique et vante sa générosité inouïe, qui, telle une nuée, abreuve Byzance et le Yémen d'Avers. Puis il poursuit avec un ton un rien ironique. Tu as tout de la nuée, force et torrent rageur. Tu as tout de la mer, sauf ses rafales et ses heurts. Tu as tout du lion, hormis sa laide face. Tu nous tiens lieu de tout, le reste étant sans grâce. La question de l'ironie est très importante, nous y reviendrons. Mais restons-en pour l'instant aux qualités de l'homme héroïque. Celui-ci est généreux, mais il est aussi courageux. Et son courage est également sans bornes. Il est synonyme de constance dans les épreuves, de fermeté devant les malheurs et d'intrépidité au combat. D'ailleurs, le héros est souvent figuré sous les traits d'un guerrier intrépide. Sans crainte, ce guerrier avance à la tête de son armée ou va seul au-devant de l'ennemi. Il se lance dans la mêlée, oublieux de la mort ou la méprisant, et offre sa vie pour épargner celle de ses hommes. Comme dans l'exemple suivant, où le poète vante le courage d'un gouverneur de province, qu'il décrit sous les traits d'un guerrier irréductible. Nulle âme, ni épée ne sont de force égale. Il n'est soutien puissance ou lignée qui le valent. Nul ne rend plus glorieux son nom et sa maison. Nul ne confère à tout parent, plus haut renom. Il est le bras qui rompt et use sans clémence les destriers, l'ennemi, l'épée d'Inde et les lances, le maître qui dressa et qui mène à la charge les étalons foulant la place d'un pas large et qui charge encore, c'est l'aube, sous les hampes dressées dont le fer lui comme mèche de lampe. Le courage et la générosité démesurée du héros ne s'inscrivent pas dans une logique de vanité ou de grandissement. Si le héros utilise notamment la violence,
c'est pour œuvrer à plus de justice. Sa lance, nous dit le poète, n'est autre que la générosité. Et ceux qu'il tue sont les âmes de l'avarice. Parce qu'il fait preuve d'un grand courage devant la méchanceté et d'une générosité sans borne devant la misère, le héros redonne espérance et vie au monde. Aussi le poète n'aura de cesse, comme dans l'extrait suivant, de le glorifier. En quelque endroit où tu t'arrêtes pour un temps, toute menace est retirée des mains du temps. Et la joie en ces lieux nourrira les herbages, et le vin se mettra à pleuvoir des nuages. Il n'ira pas plus loin. À peine a-t-on parlé qu'il nous montre un excès de générosité auquel les généreux mêmes n'ont pas accès, et une ardeur qui fait reculer l'adversaire, et une profusion de dons qui vous sidère. En somme, le héros d'Al-Mutanabbi est cette réussite humaine que l'on espère et désire. Il n'est pas uniquement digne d'amour, il est le seul apte à véritablement aimer, car il est le seul capable de donner et de se donner. Ainsi, comme l'aimé du Nasib, du prologue, avait révélé sa véritable nature, qui est d'être un tyran impitoyable, qui immole l'amant, eh bien le héros du Madih montre enfin son vrai visage. Il est l'aimé véritable. Il est, comme le dit Mutanabbi, celui qui prodigue en amoureux éperdu et reçoit l'amour sincère. C'est pourquoi, avec toujours autant d'audace, le poète n'hésitera pas à revêtir ses mécènes valeureux d'attributs qui appartiennent à la femme aimée. Il dira de l'un d'eux, « C'est lui qui éblouit nos regards et confond nos raisons par sa beauté. » Ou encore d'un autre, « Ses vertus nous sourient comme une bouche aimée qui d'embrasser ne se lasse jamais. » Et d'un troisième, il dira qu'il est amoureux de lui où que se dirigent ses montures. Dans un autre passage, il suggérera avec un brin d'humour que le mécène, en tant qu'être aimé, ne devrait pas figurer dans la troisième partie de la Qasida, mais dans le prologue amoureux. Reprenons. Si le premier environnement que l'on a exposé est celui de l'homme commun, dépossédé de lui-même et résigné à la fatalité de l'usure, le second environnement appartient à l'homme vigoureux et fécond, qui sans cesse recherche avec probité, courage et générosité les états intenses de vie et de puissance. Ces deux univers, l'un mélancolique et funèbre, l'autre éclatant et victorieux, l'un plongé dans l'intimité, l'autre tourné vers l'extérieur, ne décrivent pas deux réalités séparées. La Qasida forme toujours une unité. L'amant servile et le maître héroïque représentent deux modalités d'être qui sont présentes à des degrés divers en chaque homme et en chaque femme. La première, commune et mesquine, rend l'être humain auxiliaire de la tyrannie et consacre la victoire d'un monde abject et déchu. La seconde, excédentaire, exceptionnelle, peut seule conjurer la fatalité et faire advenir une vie nouvelle et épanouie. À partir de ces considérations, on va pouvoir comprendre à quel jeu s'adonne Al-Mutanabbi. Lorsqu'il va d'un endroit à l'autre, rappelez-vous, et d'un puissant à l'autre. En effet, lorsque le poète arrive auprès d'un notable ou d'un homme de pouvoir et qu'il lui déclame une qasida, que fait-il ? Eh bien, il commence dans le prologue par lui dire sa condition d'homme commun. Il se décrit lui-même comme un amant malheureux et mélancolique. Il dit à son interlocuteur son état de dépendance pitoyable, sa vie d'errance et de pauvreté, sa nostalgie d'amant, maintes fois délaissé, l'aimé, la femme aimée dont il se plaint, n'est autre que ce puissant qu'il vient de quitter, ses autres mécènes qu'il a courtisés, parfois aimés, mais dont il a dû se séparer parce qu'ils se sont montrés lâches, peureux et avares, et parce qu'ils ont été tyranniques et ont causé sa ruine. Ce faisant, il se fait le porte-parole de tous les hommes qui partagent son infortune d'amant. Il donne à entendre aux puissants
la voix des faibles et des malheureux. Contre cette situation, Al-Mutanabbi projette dans le Madih, donc dans l'éloge, l'idéal qu'il souhaiterait voir se réaliser. Un mécène héroïque, généreux, qui serait l'ami véritable, et non pas l'aimé avare qui fait dépérir ses faibles prétendants. Dans ce cas, l'éloge n'a plus rien d'un éloge. Il est une demande, plus encore, c'est une mise en demeure morale et existentielle adressée aux puissants pour qu'ils se détournent de la manière d'être du tyran et se hissent à l'exigeante générosité du héros. Les éloges dithyrambiques de Mutanabbi ne constituent donc pas des flatteries de courtisans, comme le pense Blacher et avec lui la critique contemporaine, mais un défi lancé au destinataire du poème, qui doit désormais répondre des louanges folles qui lui sont accolées. L'homme à qui est adressé l'éloge hérite d'une réputation extraordinaire, surhumaine, qu'il s'agit de tenir. Pour mieux comprendre cela, prenons les vers suivants, dans lesquels le poète flatte un fonctionnaire de la chancellerie. Ali ben Ahmed, le plus jeune de sa lignée, verse sur moi, passant aux mains vides, l'ondé. Cette nue qui prodigue une eau si prodigieuse, glorifiez-la sur toutes les nuées pluvieuses. D'un tel brave, quel cœur peut contenir l'ardeur? S'il s'en trouve un, quel sein contiendrait un tel cœur? Et plus loin, il vante encore le courage et la générosité de cet homme. Mais l'éloge s'adresse à l'hôte généreux, pour celui qui méprise l'or, chose enviable, pour celui qui conduit une armée formidable, pour ce preux qui, face à des preux dans un ravin, va défier le champion distingué par les siens. À l'évidence, si le haut fonctionnaire à qui ces éloges extraordinaires sont attribués était un homme généreux et vaillant, qui méprise l'or et qui mène des combats formidables en faveur de la veuve et de l'orphelin, alors le poème donnera effectivement à entendre une vraie louange à sa gloire. Mais si le type est un médiocre, un fonctionnaire orgueilleux et inique, qui persévère malgré l'interpellation du poète dans sa vie coutumière et méprisable, alors l'éloge hyperbolique résonnera de façon ironique, comme une antiphrase. Tout le monde comprendra que le poète s'amuse à dire le contraire de ce qu'il veut faire comprendre. Ainsi, le poème devient une moquerie et l'éloge se retourne en satire, en revêtant son interlocuteur de qualité héroïque. Al-Mutanabbi chante à la face du monde son idéal et il met le destinataire de l'éloge au pied du mur. Si ce dernier relève le défi et surmonte sa manière d'être d'amant, alors la provocation poétique aura été salutaire. Al-Mutanabbi pourra mettre fin à son rahil, à sa traversée du monde, car il aura enfin trouvé son héros et son aimé. Dans le cas contraire, l'éloge devient un terrible coup, asséné à la réputation du notable, un coup pour ainsi dire qui le tue, car aucun homme d'honneur ne peut survivre à l'humiliation. Alors le poète n'aura plus qu'à reprendre la route. Il ira défier un autre puissant, sans résister au plaisir de fanfaronner dans sa nouvelle pièce sur la victoire qu'il vient de remporter. On comprend alors mieux le sens des menaces qu'Al-Mutanabbi proférait jadis. Rappelez-vous, en bas de la diapositive, « Demain, la lame aux deux tranchants fera obstacle au roitelet du cru ou d'ailleurs qui renacle. S'il plie, elle en poursuivra d'autres. S'il résiste, ils seront les premiers à enrichir sa liste. » Ce n'était pas de vaines fanfaronnades. Le poète a tenu parole. Armé de sa poésie, dont il a fait une lame à deux tranchants, il a poursuivi les puissants partout, en Syrie et en Irak. Il les a affrontés et il a démoli, par ses traits ironiques, les avares et les lâches d'entre eux. Mais dans son épreuve, Al-Mutanabbi ne se contente pas d'interpeller les autres et d'essayer de les convertir. Il s'efforce lui-même de se conformer à l'idéal qu'il préconise. C'est d'ailleurs à chaque étape de son périple
que le poète doit se montrer courageux, qu'il doit se transcender lui-même, refuser la servitude et accepter de quitter une position confortable qu'il aurait très bien pu se ménager pour se projeter dans le monde. Ces victoires ne sont jamais définitives, elles sont toujours à reconquérir et à amplifier. Car n'oublions pas que le poète est avant tout un amant servile qui s'efforce sans relâche de sortir de son inclination ordinaire pour faire éclore sa vérité héroïque. En ce sens, son épopée de jeunesse est une sorte de rahil, de traversée qui n'est jamais achevée et qui doit le conduire du monde domestiqué du prologue à la vie glorieuse de l'éloge et du madih. Dans ce cadre, la jactance, c'est-à-dire l'éloge de soi-même, qu'Al-Mutanabbi porte à des sommets difficilement surpassables, fonctionne de la même manière que la louange adressée au mécène. En se louant lui-même, Al-Mutanabbi ne tire pas vanité de sa supériorité. Il ne proclame pas simplement son excellence. Il dresse avant tout, au-dessus de ses propres faiblesses, ce héros qu'il est en puissance. Il affirme à la face du monde qu'il est en son pouvoir de l'incarner. Dans l'extrait suivant, le poète nous exhorte à délaisser les plaisirs vains et à nous lancer en quête de gloire dans le combat contre l'iniquité, tout en se vantant dans une ivresse débordante d'orgueil et de puissance d'être l'exemple même de la bravoure qu'il appelle de ses vœux. L'outre de vin, l'esclave et son chant, sont-ce là toute ta gloire ? Non, c'est le fer, c'est le vierge exploit qui vous rend glorieux. C'est la nuque des rois que l'on froisse et qui lève au sein des nuées les soldats. C'est ton fracas par tout l'univers qui l'oblige à se boucher l'oreille au bruit de ton prestige. Lançons-nous à l'assaut, je le veux, des tyrans. Reître au cœur furieux, dressez sur vos purs sangs, dansez, faites tourner, portez à bout de lance les coupes de la mort, qu'ils trinquent à outrance. Que de sommets gravis m'ont reconnu pour cime, que de mers ont salué l'océan unanime. Se louer soi-même, ce n'est pas simplement proclamer sa supériorité, c'est se lancer à soi-même un défi. C'est se mettre en avant et s'obliger à ne pas être en deçà de ce que l'on se vante d'être. D'ailleurs, quelle valeur auraient ces appels à déchaîner la guerre contre les tyrans et ces cris pleins de superbe si celui qui les profère n'était pas le premier à se lancer dans le combat et à s'y distinguer. On comprend alors que Blacher, dès lors qu'il n'a pas compris l'histoire d'Al-Mutanabbi, puisse trouver que les jactances du poète sont lassante, et je cite, d'une vantardise ridicule. Pourtant, Al-Mutanabbi n'a rien du fanfaron. Il va soutenir un long combat et endurer une errance de 20 ans, au cours desquels il va défier une trentaine d'hommes puissants et porter haut l'idéal qui lui correspond. À la pointe de ce parcours, le poète âgé de 33 ans reconnaît en un jeune prince nommé Saif ad-Dawla le guerrier qui l'attendait. Il verra en lui le héros qui pourrait donner à sa révolte sa pleine envergure. Il verra en lui cet homme digne d'être loué et qu'il sera en mesure de réellement aimer. De tout son cœur, il s'écriera « Soleil du temps, ô son astre, je t'aime !» Avant d'aller plus loin, il convient de faire quelques remarques importantes. D'abord, il serait faux de penser qu'Al-Mutanabbi est un va-t-en-guerre ou un révolutionnaire furieux. En réalité, c'est tout le contraire. Et son histoire le montre clairement. Après son coup d'éclat de jeunesse, le poète a lutté et erré pendant un temps infini, sans céder à la violence, mais sans reculer non plus devant le danger, ni se laisser intimider par les oppresseurs. Au risque de sa vie, il a dénoncé la bassesse. Il a pourfendu la tyrannie et ne s'est jamais compromis avec elle. A contrario, il ne faut pas croire qu'Al-Mutanabbi proscrit la lutte armée ou qu'il pense que la parole seule peut changer les choses. Oh que non ! Lorsqu'il trouvera son alter ego, en la personne du prince Hamdani Saif ad-Dawla,
il se lancera avec lui dans des guerres sanglantes et héroïques pour donner à son combat toute son ampleur. Enfin, il ne faut pas considérer dans le cadre de cette lutte que la poésie soit une arme métaphorique qui se substituerait un peu honteusement au choc du combat. Pas du tout. Le poème achevé est l'arme suprême qui remporte des victoires éclatantes et inflige des châtiments éternels. C'est grâce au poème d'Helmut Hanabi que Saïf al-Dawla incarnera pour toujours aux yeux des Arabes la figure du héros. Et c'est à cause des poèmes de Mutanabbi que Kafour sera, comme on le verra, maudit à jamais. Ces remarques mériteraient des développements, mais nous devons nous contenter de peu et aller à la deuxième partie de l'épopée. Saïf al-Dawla, qui signifie en arabe « sabre de la nation », appartient à l'illustre lignée bédouine des Hamdan. Depuis peu, il règne sur une principauté du nord de la Syrie, en bordure du puissant empire byzantin. De son seul sabre dépend le sort de l'islam dans sa confrontation avec Byzance. Sous son impulsion, Alep sera plus qu'une simple capitale de province. Elle va rayonner et réunir une part de l'élite islamique de l'époque. Mais Saïf al-Dawla ne va pas recevoir al-Mutanabbi comme un mécène. Il va l'accueillir en égal, en faire son commensal, son poète favori et son compagnon d'armes. Il va l'entraîner dans les incessantes guerres héroïques qu'il doit mener pour contrer les attaques des grands généraux de Byzance. En retour, al-Mutanabbi va déployer ses grandes épopées lyriques en l'honneur du prince arabe et magnifiera ses hauts faits avec une virtuosité admirable. Dans cette seconde partie de l'épopée, la forme tripartite de la Qasida sera abandonnée. Les thèmes du prologue et de l'éloge, qui étaient encore différenciés dans la première partie, se mêlent dorénavant dans des compositions épiques, où la guerre héroïque devient le thème de prédilection. Mouvement d'armée, heurts des troupes, cavalcades foudroyantes à travers le pays ennemi, ou incursions soudaines au cours desquelles les cavaliers arabes déjouent les calculs de l'ennemi par des trajectoires imprévisibles. C'est de cela que sont faits désormais les poèmes d'al-Mutanabbi. Ainsi, la seconde partie de la vie et de l'œuvre du poète ne s'apparente plus à une interminable traversée, mais à une formidable bataille. C'est que le combat constitue l'épreuve authentique par excellence. Non seulement la mêlée heurte et blesse les corps, non seulement elle éprouve violemment les capacités de l'individu, mais elle révèle au monde la valeur de l'âme, sa bravoure, ou au contraire, dévoile sa lâcheté. Dans ses poèmes, al-Mutanabbi va ainsi mettre en scène invariablement une même opposition. D'un côté, il décrit une armée puissante, nombreuse, mais sans âme, menée par des généraux avares et lâches, qui commandent de loin et ne s'exposent jamais. De l'autre, ce sont des guerriers singuliers qui se distinguent par leur bravoure et leur générosité, et à la tête desquels se tient un prince intrépide et magnanime. « Atawka yajurruna al-hadida ka'annama saraw bijiyadin ma lahunna qawaimu. Iza baraku la tu'arafil bidu minhumu, thiyabuhumu min mithliha wal'amaimu. Khamisun بشرق الأرض والغرب زحفه وفي أذن الجوزاء منه زمازم تجمع فيه كل لسن وأمة فما يفهم الحداس إلا التراجم فلله وقت زوب الغش ناره فلم يبق إلا صارم أو دبارم تقطع ما لا يقطع الدرع والقنا وفر من الفرسان من لا يصادم وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم تمر بك الأبطال كالما هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم. Dans cet extrait, on voit d'un côté l'immense armée byzantine,
alignant des mercenaires venus des quatre coins du monde. Et quantité de chevaux, recouverts de longues pièces d'armure, qui donnent l'impression d'avancer sans pattes sous leur carapace d'acier. Et de l'autre, on voit le héros, qui seul se tient droit sous le regard de la mort, sous la paupière de la mort, dit le poème, et qui confronte ses ennemis dans un corps à corps où les âmes trop faibles défaillent. Dans cette guerre inégale, seule l'endurance remarquable, la hardiesse et la bravoure poussées à l'extrême offraient la victoire au prince arabe. Tes ennemis, traînant l'épée, approchant à pas lourds, comme si leurs chevaux trottaient sans pattes sous l'armure, jetaient de sourds éclats, sans que leurs lames scintillantes puissent se distinguer du chef ou des plaques clinquantes. De cette armée, rampant d'est en ouest par toute la terre, un fracas roule jusqu'aux oreilles des Gémeaux frères. Et tant de langues, tant de nations s'y trouvent mêlées que le soldat recourt à l'interprète pour parler. En cet instant, à Dieu, le vil aloi fond sous le feu pour faire place au dur tranchant, à l'être impétueux. La main trop faible pour briser ampe ou écu se brise, tandis que d'autres, auprès des cavaliers, lâchent prise. Mais toi, debout, la mort certes choix de l'homme dressé, tu te dressas sous sa paupière et la mort sommeillait, défiant chaque champion que tu faisais fuir ou blesser, et ta face était claire et ta bouche souriait. C'est dans l'épreuve de la guerre que le sabre se transforme en feu, en lumière vive. C'est dans ce brasier furieux qu'un guerrier unique, agencé à son arme et isolé par le poème, aiguise son vouloir jusqu'à la simplicité du geste parfait et héroïque. Toutes les compositions d'Al-Mutanabbi reproduisent la même opposition que l'on en a entrevue ici, entre l'armée anonyme et l'individualité guerrière, entre la grégarité et la singularité, entre la fuite et le courage, et au fond, l'opposition entre une violence pure, propre à la jeunesse et à la vie, et entre la brutalité organisée et mesquine d'une vieille tyrannie. Par cette manière toujours semblable de décrire les parties en présence, le poète nous signifie que l'ennemi, avant d'être byzantin ou abbasside, avant d'être karmate ou bouyide, car Al-Mutanabbi voudra aussi combattre, comme il l'avait d'ailleurs promis, le califat abbasside, corrompu, et les rebelles karmates qui sèment un autre type de terreur. L'ennemi donc, avant d'être arabe ou byzantin, blanc ou noir, riche ou pauvre, est avant tout lâche et grégaire. L'ennemi, c'est donc soi-même, dès lors qu'on en reste à notre état habituel d'esclave peureux ou de petit tyran avare. Il ne s'agit donc pas d'opposer simplement un camp contre l'autre, mais toujours de préconiser la vertu et de l'incarner. Il y aurait beaucoup à expliquer pour appréhender la posture d'Al-Mutanabbi à sa juste valeur. Mais je dois m'en tenir à quelques brèves indications. Saïf ed-Dawla et Al-Mutanabbi, par la relation qu'ils entretiennent, s'incitent mutuellement au dépassement. Le guerrier met à l'épreuve le poète en l'entraînant dans ses guerres et en le mettant au défi d'élever des éloges qui soient dignes de ses exploits. En retour, Mutanabbi provoque le guerrier par ses hyperboles et l'oblige sans cesse à lutter et à vaincre. Ce jeu d'incitation mutuelle produit des effets bien au-delà du couple constitué par les deux hommes. En rivalisant de vertu, Saïf ed-Dawla et Al-Mutanabbi entraînent à leur suite la société qu'ils dirigent tout entière. Ils lui infligent une discipline de fer et l'engagent dans un combat ininterrompu. Dans ce combat, la parole du poète propose une transformation triomphante de la réalité et contribue à convaincre les individus de poursuivre le combat dans lequel ne cesse de les entraîner le chef guerrier. En retour, la discipline imposée par le prince et la pratique héroïque de la guerre contribuent à dresser les hommes à la noblesse et à les exercer au comportement d'abnégation. Évidemment, la lutte engagée ne se limite pas à contrer l'agression extérieure.
Il s'agit de destituer toutes les formes de tyrannie, quelles qu'elles soient, celles qu'ils exercent au niveau du couple, de la famille, de la société, et bien sûr, avant tout, de destituer sa propre tyrannie. Car n'oublions pas que la posture héroïque est l'expression d'une victoire remportée sur soi-même. Elle est l'expression d'une victoire sur ses propres faiblesses, sur sa propre avarice, sur sa propre peur, qui rendent tout un chacun injuste et complice du malheur. Cette lutte, dans son expression paradigmatique, c'est-à-dire dans son expression la plus large, qu'incarne le poète, devient une guerre qui est menée contre la domination théocratique impériale. C'est pourquoi Al-Mutanabbi s'en prend à la fois à l'état pontifical de Byzance et à l'état califal de Bagdad. Ainsi, la guerre qui fait rage au second acte de l'épopée s'avère analogue à la traversée du monde de la première partie. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de libérer l'homme des rapports de servitude, de forger son âme aux valeurs nobles du courage et de la générosité, en soumettant leur société à une impitoyable discipline. Saïf ed-Daoula et Mutanabbi s'emploient donc à forger un collectif d'hommes et de femmes capables, comme eux, d'affirmer leurs différences, de se dépasser par le don et de vivre intensément par l'amour vaillant. Or, cette élévation de l'homme est condamnée par avance à l'échec. Elle est elle-même traversée par une dynamique réactive qui finit par la renverser. L'amant reprend toujours le dessus sur le héros, tout comme la veulerie triomphe des individus radieux. Aussi, la complicité entre Saïf ed-Daoula et Al-Mutanabbi ne résistera pas aux menées de ses adversaires. Les jalousies, les cabales, les heurts successives et de plus en plus violents finiront par causer la rupture entre le poète et le guerrier. Al-Mutanabbi quittera définitivement son ami en 956, après neuf années passées à ses côtés. Après Alep, Al-Mutanabbi se rend à Fostat, en Égypte. Cette ville, située à l'emplacement actuel du Caire, est la capitale de l'État hirchidide. Là, il rejoint le puissant régent Kafour, qui est alors le véritable maître d'un royaume qui s'étend de l'Égypte à la Palestine, au Hijaz et à la Syrie jusqu'à Damas. Kafour est un homme noir, et c'est un eunuque, c'est-à-dire un homme châtré. C'est un ancien esclave. Le nom qu'on lui a donné, Kafour, veut dire en arabe « camphre », ce qui est assez paradoxal, puisque cette substance est synonyme de pureté et de blancheur. En tout cas, Kafour, d'esclave qu'il était, est parvenu au sommet de la puissance. Il a gravi les échelons au sein de l'armée de son maître, Mohammed l'Irshid, et depuis la mort de ce dernier, c'est lui qui gouverne de facto la principauté. Al-Mutanabbi voit en Kafour un être d'exception, un homme hors du commun, qui a réussi par sa seule volonté à se hisser du rang d'esclave à celui de roi. Le poète n'hésite donc pas à lui donner la préférence sur Saïf ed-Daoula, pour qui il garde pourtant une grande affection. Mais comme à son habitude, il ne se contente pas de courtiser l'homme de pouvoir. Il va lui adresser des louanges hyperboliques et l'exhorter éloge après éloge à aller au bout de sa vertu, pour qu'entre eux l'amitié ne soit pas médiocre, mais glorieuse. Or, Kafour refuse de rentrer dans le jeu d'Al-Mutanabbi. Il tergiverse, il fait des promesses, et comble le poète de cadeaux en espérant calmer un peu ses ardeurs. Mais rien n'y fait. Al-Mutanabbi se fera toujours plus pressant, et ses défis poétiques sans cesse plus acérés. Ainsi, le bras de fer va durer des années, et il ira à l'exacerbation. Kafour finira par se méfier du poète, et il le fera surveiller. Puis, il l'assigne à résidence. Mais Al-Mutanabbi n'est pas un homme à se laisser faire. En secret, il compose des satires ignobles contre son hôte. Et un jour,
Profitant des fêtes du pèlerinage, il trompe la surveillance de ses gardes et disparaît dans le Sinaï. Il laissera derrière lui une série de satires assassines qui cloueront à jamais Kafour au pilori de l'histoire. Dans ses pièces, il veillera aussi à faire ressortir l'ironie des éloges qu'il avait adressés autrefois à l'eunuque, de manière à les retourner en autant de moqueries. Cet épisode vaudrait la peine d'être raconté en détail. À défaut, je tiens quand même à vous présenter ne serait-ce qu'un extrait de ces fameuses satires. Notre larbin dormait ferme en cette nuit, mais avant, il somnolait dans l'idiotie. Entre nous deux, malgré la promiscuité, s'ouvrait le désert de sa stupidité. Moi, j'ai cru avant de côtoyer l'eunuque que la raison siégeait plus haut que la nuque. Mais depuis que j'ai vu son intelligence, c'est aux couilles que je place le bon sens. En Égypte, on trouve vraiment de quoi rire. Mais l'on rit et l'on pleure face à l'émir. C'est là qu'un noir, dévoré par ses babines, s'entend nommer astre de la nuit divine. C'est là que j'ai loué un rhinocéros par des vers qui sont autant de sorts féroces. Il s'agissait moins d'y exalter quelqu'un que de railler sans merci le genre humain. Tel peuple se fourvoie auprès d'un fétiche. Mais suivre une autre enflée devant, je t'en fiche. L'idole au moins se tait, mais lui il parlote. Sitôt qu'on le remue, il pète ou radote. Un homme peut bien ignorer ce qu'il veut. Ce qu'il ne voit pas, les autres le voient trop. Après l'Égypte, El-Moutanabi passe quelque temps à Koufa, puis à Bagdad. Enfin, il met le cap sur la Mésopotamie, où les Bouyides, d'origine perse, gouvernent en maître. C'est la quatrième et ultime étape du périple. El-Moutanabi considère les Bouyides iraniens comme des usurpateurs. Il avait incité Saïf Daoula à les combattre. Il va pourtant aller les louer et les défier. Il ira jusqu'à Shiraz, chez le jeune sultan Adad ad-Dawla. Ce prince, qui allait diriger quelques années plus tard la Perse et l'Irak, d'une main ferme, se montre généreux avec El-Moutanabi. Mais le poète languit de nostalgie. Après quelques mois à Shiraz et quelques éloges ironiques, il repart vers Bagdad. Le 27 décembre 965, alors qu'il est en route, sa caravane est attaquée par des assaillants en nombre, bandits ou vengeurs d'une famille raillée par le poète. El-Moutanabi mourra l'arme à la main. La structure des poèmes de cette dernière section ressemble fort à celle de la première partie. La forme tripartite de la Qasida s'impose à nouveau. Et le prologue amoureux met en scène une fois de plus un amant vaincu par sa nostalgie pour l'aimé et le monde. L'épopée semble ainsi bouclée sur elle-même et s'achève comme elle avait commencé, par le rahil, la traversée du monde et l'aventure du renouveau. Mais justement, la figure du rahil, la traversée du monde, nous signale la nécessité de continuer le périple et la lutte par-delà la mort du poète et la clôture de son œuvre. C'est à chacun qu'il appartient désormais de suivre El-Moutanabi sur la voie qu'il a tracée, de se mettre à l'épreuve, de hisser son être vers ses possibilités les plus généreuses et de s'accomplir par l'affirmation d'un vouloir vivre émancipateur et créateur jusque dans la mort. Merci pour votre attention. Alors peut-être avant de passer aux questions, si vous me l'autorisez, j'aimerais passer quelques minutes pour aborder un thème que je n'ai pas abordé justement, mais qui est pourtant important. Car ce qui se joue à l'arrière-plan des combats qu'El-Moutanabi a menés, et des controverses auxquelles il s'est trouvé mêlé. C'est le sens de l'islam. Il y a entre El-Moutanabi et tous les autres, qu'ils soient abbassides, karmates, bouyites ou sunnites,
il y a une différence radicale dans la manière de comprendre et de vivre l'islam. Il y a deux conceptions très différentes de la foi. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans ce débat, car il faudrait approfondir beaucoup plus la pensée d'Al-Mutanabbi pour pouvoir le faire. Mais j'aimerais signaler une petite chose, c'est en quoi l'expérience héroïque que j'ai essayé d'exposer implique la foi. Elle implique la foi dans le fait qu'elle engage une épreuve de la limite. Comme on l'a vu, l'affirmation héroïque engage une rupture. Dans l'épopée paradigmatique du poète, cette rupture est figurée de façon emblématique par l'exil dans la première partie de son œuvre et par la guerre dans la seconde. En quelque sorte, la personne qui se fait héroïque est celle qui accepte de mourir à un monde dans lequel elle se trouve à l'étroit et dans lequel elle dépérit, en espérant renaître dans un monde meilleur. Ce passage, cette expérience limite, suppose forcément la foi, parce que celui qui prend le risque de mourir pour renaître doit forcément croire que cet avenir qu'il brigue, ou que cette autre vie à laquelle il aspire et pour laquelle il lutte, lui sera donnée. Car de toute façon, l'avenir, quelle qu'en soit la force et la pureté de l'intention qui le revendique, ne peut être que donné aux hommes par un tout autre et reçu par eux. Pourtant, ce qui est étonnant chez Al-Mutanabbi, c'est qu'il avance dans son expérience limite de façon tragique, sans certitude réconfortante, en ayant vaincu toutes ses illusions. Il reconnaît donc n'avoir aucune garantie de réussite, ni aucune assurance de survie, ni ici, ni ailleurs. Il reconnaît donc, c'est pourquoi d'ailleurs, le lyrisme de ses poètes, de ses poèmes, se trouve toujours mêlé à l'ironie, et que ses appels au sacrifice, à la guerre héroïque, sont toujours redoublés d'appels à la patience, à la prudence et à la préservation. Sa foi n'a donc rien à voir avec des croyances dogmatiques, ni avec des énoncés juridiques, ni ailleurs avec des vérités métaphysiques, ni même avec des espérances eschatologiques, c'est-à-dire des espérances de l'au-delà. Elle désigne pour lui ce qui inaugure le commencement d'une vie nouvelle, héroïque et créatrice. C'est cela la foi pour Al-Mutanabbi. C'est alors en s'éprouvant lui-même comme créateur, par le truchement de la langue et par l'acte absolu qu'il pose dans le monde, que le poète se donne le sentiment de Dieu. Ainsi compris, l'islam s'avère tout autre chose que ce à quoi on est habitué. Et il produit tout autre chose que ce à quoi conduisent les pratiques musulmanes actuelles. En un mot, il produit des individualités fortes, avides de justice, d'unité et de différence. Il conspire à des sociétés plurielles, puissantes et tournées vers l'avenir. Malheureusement, ce n'est pas cette compréhension-là qui s'est imposée par la suite. Alors la question que vous pourriez me poser, c'est quel rapport il y a entre cet islam d'Al-Mutanabbi et le Coran ? Eh bien, je sais que ce que Al-Mutanabbi dit et ce que le Coran dit sont une seule et même chose. Mais pour le voir, il faut accepter de lire le texte coranique de façon rigoureuse, critique et sans concession, ce que personne ne fait aujourd'hui. On verrait alors que ce que dit le texte coranique est exactement ce que nous présente Al-Mutanabbi. Je signale à ce propos que je travaille actuellement sur une exégèse du Coran. J'y travaille depuis des années et que donc ceux qui sont intéressés peuvent se reporter aux deux premiers volumes que j'ai déjà publiés sur ce sujet et qui devraient être, j'espère, couronnés par un dernier volet. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Pour lancer, j'ai une question à vous demander. Oui. Puisque je ne connaissais pas du tout le métier et je voulais savoir quelle est sa place dans l'enseignement, soit de la jeunesse, soit scolaire. Oui. Al-Mutanabbi est incontestablement le poète le plus connu, le plus étudié, le plus reconnu du monde arabe. Aujourd'hui, n'importe quel arabe est capable de vous citer des vers de Al-Mutanabbi, mais aucun ne comprend son œuvre comme cela.
En fait, on lit toujours les poèmes de Moutabi de façon parcellaire, isolée. Donc, quand on lit une kassida, on la lit comme si c'était une kassida traditionnelle. Donc, il parle d'amour et qui parle d'un éloge. Mais on ne le rattache jamais à cette dimension existentielle où on voit effectivement apparaître le sens de son œuvre, le sens de sa vie, le sens de son message. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous interrogez un arabe et que vous lui dites « Moutanabi parle de l'islam ou parle du Coran », il va vous regarder avec des grands yeux. Et comme j'ai dit, les Occidentaux ne comprennent pas non plus. J'ai cité Blacher. Blacher n'est pas n'importe qui. C'est l'un des esprits les plus brillants du XXe siècle en France, à la Sorbonne, enfin des orientalistes. D'ailleurs, son interprétation sera confortée, corroborée par Massignon, un autre grand esprit. Donc vous voyez, les universitaires occidentaux, eux aussi, sont passés complètement à côté des choses. Et là, il y a une vraie question. On ne parle pas de n'importe qui, on parle du plus grand poète arabe. Et de quoi nous parle-t-il? Comme je vous ai dit, derrière tout ça, il s'agit évidemment du Coran. Il s'agit évidemment de l'islam. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on l'appelle celui qui se prétend prophète. Et c'est pour ça aussi que pendant sa vie, il a été violemment combattu, et après sa mort aussi violemment combattu. Mais son œuvre ne va s'imposer que parce que son message va être, en quelque sorte, étouffé. Voilà. Il n'empêche, que s'il s'impose aussi, c'est à cause de son talent littéraire. On peut tout à fait lire Al-Mutanabbi sans se préoccuper d'islam, de Coran et de valeurs héroïques. Les poèmes en eux-mêmes sont de pure merveille. Ce sont des chefs-d'œuvre indépassables. Al-Mutanabbi en lui-même, d'un point de vue purement langagier, est certainement l'un des plus grands poètes que l'humanité a porté. Je vous remercie infiniment. On a étudié que je suis professeur en langue arabe et civilisation au sein de la LFF. Je m'exprime en français, bien que je ne maîtrise pas la langue française. Si vous. Pour Moutanabbi, c'est un homme qui a essayé de sortir de l'ordinaire, du monde arabo-musulman à l'époque, et de s'exprimer autrement. Ça, c'est ce qui distingue, caractérise cet homme. Deuxièmement, Moutanabbi a assumé son humanité et l'a développée. Il a invité les autres à vivre en tant qu'un être humain, pas plus, peu importe les couleurs et tout ça. Et ça, c'est cuisine du Coran lui-même. Le Coran lui-même, il a dit, il y a une menace aux gens avant de dire et d'interpeller les croyants. Il y a une menace aux gens. Et donc, pour l'enseignement de Moutanabbi, ça a été un enseignement bien défini par les régimes. Ce côté exceptionnel de cet homme, on les a pas vus. Monsieur Poussara, aujourd'hui, parti en arrière pour les années, faire les années 60 pour saluer cet homme. Merci beaucoup. Merci à vous. De la femme est donnée finalement qu'au début et elle est presque absente, voire négative. Est-ce que c'est vraiment l'image qu'il a pu donner de la femme? Oui, c'est une très bonne question. J'ai essayé d'y répondre en quelques minutes. Effectivement, au premier abord, la position de Moutanabbi sur la femme paraît préjudiciable à la femme. Puisqu'il assimile la force réactive à la figure de la femme aimée du Nasib, et qu'il assimile la force active à l'homme héroïque dans le Madir. En faisant cela, il semble reprendre la thèse classique selon laquelle la femme serait par nature faible et soumise. Mais aussitôt, cette correspondance est déconstruite, puisque la femme du Nasib se révèle être l'homme commun et tyrannique, et que le guerrier héroïque découvre qu'il est le visage de l'être aimé
et qu'il est revêtu en tant que tel par les qualités de beauté physique et morale de l'être aimé. En somme, il s'agissait de dire que chaque homme comporte en lui la servilité et un potentiel d'héroïsme qu'il est appelé à développer. Chaque homme et chaque femme, bien sûr. Et pour bien montrer cela, pour donc bien montrer que les femmes aussi sont conviées à se montrer héroïques, c'est-à-dire à s'affirmer dans le courage et la générosité, eh bien, Al-Mutanabbi va faire l'éloge de femmes héroïques. J'en ai pas parlé, c'est pour ça que vous avez l'impression qu'elle était absente. Mais il ne faut pas voir, on ne trouvera pas ces éloges dans les éloges de la Qasida que j'ai exposés ici. Pourquoi ? Parce que déjà, ces éloges sont adressés à des détenteurs de pouvoir qui, à l'époque de Mutanabbi, étaient des hommes. Mais surtout, parce que ces éloges ne sont pas de vrais éloges, comme je vous ai montré. Ce ne sont pas des certificats d'héroïsme, ou ils le sont de façon conditionnelle et ironique. En réalité, on ne peut décerner un certificat d'héroïsme qu'à la mort de l'individu. C'est donc dans les poèmes, ce qu'on appelle les traînes, c'est-à-dire des poèmes consacrés à des personnes défuntes, que l'on va pouvoir trouver les véritables éloges d'Al-Mutanabbi. Et quand on regarde son œuvre, eh bien on trouvera, et ce n'est pas un hasard, qu'il y a autant de traînes adressées à des hommes que des traînes adressées à des femmes. Par exemple, il va écrire un traîne, et ce sont des pièces très connues, très célèbres. Un traîne composé à sa grand-mère, un autre à la mère de Saïf Daoulé, un autre à la sœur de Saïf Daoulé. Et à chaque fois, il va vanter les qualités de générosité et de bravoure de ces femmes. Il va vanter leur caractère viril, c'est-à-dire leur force d'âme. Autrement dit, pour Al-Mutanabbi, il n'y a pas de fatalité à la suggestion de la femme. Quand bien même la femme se trouverait dans une situation historique de soumission par rapport à l'homme, eh bien rien, à ses yeux, ne pourrait lui dénier sa vocation héroïque. Rien ne saurait lui dénier son droit, je dirais même son devoir, de se prendre en charge, de s'affirmer et d'aller au bout de sa différence, sans présupposer ce que cette différence doit être. Quand on comprend cela, on comprendra que l'éthique de Mutanabbi n'est pas sexiste. Elle serait probablement la seule à ne pas l'être. D'autres questions ? Oui. Écoutez, c'est moi-même avec un ami qui s'appelle Wao Yiyong. On a travaillé ensemble, en fait, sur plusieurs anthologies de la poésie arabe. Et finalement, on s'est consacré, on a écrit aussi sur Al-Mutanabbi et sur un autre grand poète, Al-Ma'ari. Alors, sur Al-Mutanabbi, en fait, notre ouvrage de traduction s'intitule « Le livre des sabres ». Qui est édité aux éditions Actes Sud, et j'ai moi-même écrit un essai d'interprétation de l'œuvre, toujours aux éditions Actes Sud, qui s'appelle « Le prophète armé ». Voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, je sais que mon exposé était un peu dense, mais je voulais absolument essayer de faire passer quand même un message. J'espère que ça a été clair, que vous avez pu me suivre malgré tout. Oui, oui, absolument. C'est le poète le plus connu du monde arabe, en fait. Oui. Les moments. Des moments de sa mort, parce qu'il a essayé d'apporter les bandits qui étaient nombreux. Il a essayé de prendre la fille, c'est celui qui l'accompagne. Il dit, est-ce que toi qui as dit Al-Layl wa al-Khayl wa al-Layl wa al-Khayl wa al-Khayl wa al il est retourné, il a combattu jusqu'à sa mort. Effectivement, c'était de savoir. C'est le sommet de son idéal. Oui, effectivement, c'est le compte-rendu qu'on donne de sa mort. Mais malheureusement, je pense qu'on ne sait pas effectivement qui a commandité sa mort et pourquoi il est mort. Et je crois que ce n'est pas pour lui déplaire quelque part.
parler, mais je ne connaissais pas du tout. Et donc là, j'ai découvert ce poème en même temps que je disais. Et donc là, il est sur un tempête. Oui, si vous voulez, le problème du prologue, c'est que c'est un prologue mélancolique, effectivement, comme vous avez dit, mais je ne crois pas qu'on puisse le lire de façon un peu idéaliste, c'est-à-dire comme s'il pleurait un paradis perdu. Bien sûr, il pleure son aimé, mais c'est pour la retrouver. Donc, il ne s'agit pas pour Al-Mutanabbi simplement de se lamenter, dans l'attente d'une rédemption miraculeuse. Effectivement, dans les lectures ou dans les approches musulmanes, par exemple chez les soufis, on retrouve une poésie lyrique, élégiaque, où l'aimé représente justement ce paradis perdu. Donc l'aimé, c'est non seulement la femme aimée, ou le vin sont des symboles de la divinité aussi. Ce n'est pas du tout ça chez Al-Mutanabbi. Ça, ce sont des lectures qui, en fait, versent dans un spiritualisme que dénonce Mutanabbi. Parce que c'est un spiritualisme qu'il va juger fuyard. Mutanabbi ne laisse pas tomber les hommes. Il veut confronter l'iniquité. Il ne s'agit pas simplement de pleurer, de se lamenter et de se tourner vers Dieu. Il faut, comme monsieur a dit aussi, assumer son humanité et en répondre. Donc oui, il y a bien sûr une nostalgie énorme dans ces poèmes. Mais cette nostalgie, elle doit être surmontée et retournée en affirmation. Bien. Voilà, bon, il y aurait beaucoup à dire, bien sûr, mais... Voilà. Bon, bonne soirée. Merci d'être venu.